Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut activer le web server de l'Automate 7200 et aussi comment on peut faire la supervision et le diagnostic à distance à travers une page web qu'on va développer, qu'on va le consulter à travers notre Automate. Et donc ici, pour ce projet, on va le diviser en deux parties. La première vidéo, on va voir le web server, donc on va voir la page web qui se trouve dans l'automate, la page web standard qu'on peut l'appliquer à toute l'application qui est développée par CIMAS. Ensuite, dans la deuxième vidéo, on va développer une page web personnalisée suivant notre application. De toute façon, on peut faire la supervision, par exemple pour notre cas d'un système de réservoir. Okay? Donc ici, on va voir une page web standard et on va développer une page web personnalisée. C'est pour ça qu'on va développer, c'est-à-dire on a besoin d'un peu de connaissances dans la deuxième vidéo, un peu de connaissances de ce qui est le code HTML pour le développement des pages web. Okay? Donc le web server, c'est-à-dire notre automate ici va jouer le rôle d'un serveur où on va stocker les pages web à consulter. Donc on va supposer donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez consulter notre chaîne YouTube Hamad Ibn Sessi où vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatisme. Donc ici on va supposer donc ici on a développé une application de régulation d'un réservoir. Ici nous avons le consigne, c'est la valeur souhaitée. Si c'est ce capteur du niveau qu'on va le mesurer, on va commander notre val. Ici, c'est la valeur de mise en échelle de notre ces niveaux qui est entre 0,27748 et niveau qui est entre 0,1000. Donc, comme vous remarquez ici, le consigne et le commande, nous avons le déclaré directement au niveau mémoire MD0 et MD4. Et le niveau, donc ici, je déclare, donc ici, j'ai ajouté un débit global que je l'ai appelé données. OK. Et DB2, et ici déclarer une variable niveau type réel. Donc ici j'ai utilisé les deux techniques pour l'instant des variables, ou bien on va directement de la mémoire, ou bien en utilisant le DB global. Donc ici j'ai essayé de vous montrer comment on peut lire et écrire dans des variables qui se trouvent directement au niveau mémoire ou bien au DB global. Donc pour votre cas, vous pouvez déclarer toutes les variables dans le DB global ou bien dans la mémoire. Donc ici j'ai essayé de faire un mélange pour voir les différentes techniques d'adressage et comment on peut consulter et écrire des données dans les différentes techniques, c'est-à-dire des variables qui se trouvent directement au niveau mémoire ou bien à l'intermédiaire d'un DB global. Ok, donc ici pour le web server, il n'est pas activé par défaut, donc c'est pour ça qu'on doit l'activer. Donc c'est-à-dire on doit c'est-à-dire on va dire que l'automate va jouer le rôle d'un serveur. Donc pour le faire, on doit aller configuration des appareils. Donc on doit ensuite aller aux propriétés de notre CPU. Donc, propriété de notre CPU. Ensuite, on va aller aux propriétés générales et on va aller aux options serveur web. Okay? Donc, comme vous remarquez, le web serveur n'est pas activé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit tout d'abord l'activer. OK. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit que vous avez développé une page web sécurisée. Bien sûr, pour avoir une page web sécurisée, on doit avoir une certification par des organismes bien spécialisés. Donc, pour notre cas, on va développer une page de type HTTP seulement. Mais bon, ou bien vous pouvez, si vous avez une certification, tout ça, donc vous pouvez développer une page web sécurisée HTTPS, c'est-à-dire sécurisée. Donc, pour notre cas, on va développer une page non sécurisée, donc HTTP seulement. Ici, nous avons, c'est quoi les 10 ici? C'est-à-dire ici 10 secondes. À chaque fois, il va actualiser la page pour faire la mise à jour des données au niveau affichage. Donc ici, on va définir un utilisateur. Et ici, on va utiliser par exemple, on va ajouter un utilisateur.
Je vais appeler par exemple admin et je vais donner toutes les autres, toutes les accès pour qu'on peut le consulter ensuite au niveau page web, pas au niveau serveur web. Donc, est-ce que vous pouvez accéder des variables? Est-ce que vous pouvez effectuer un déclinotement? C'est-à-dire ici, on va voir toutes ces options. Mais bon, ensuite, suivant votre besoin, suivant l'utilisateur, vous allez donner seulement l'accès associé à cet utilisateur. Ok, pour mon instant, j'ai pris toutes les autorisations. Et ici, je vais en remettre le mot de passe, par exemple. Ok. Donc ici, vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs et chacun il a le droit, l'accès à des droits bien particuliers. Ok. Donc ici, après que j'ai activé le web serveur, donc ici, je vais charger le programme. Donc d'abord, on doit relier notre Tomate à travers notre PC, à travers le câble SG45. C'est bon, j'ai fait le liaison. Donc ici, je vais faire charger le programme. Donc ici, PN, c'est-à-dire Profinet, je suis connecté à travers CAS réseau. Lancer la recherche. Ok, ici, il va faire la connexion avec notre automate. Ensuite, on va faire charger. Charger. On va cliquer sur poursuivre, donc ça charge le programme. Donc terminé. Donc ici j'ai terminé maintenant le chargement. Ok. Donc ici, on doit vérifier l'adresse IP que j'ai utilisée pour l'autre automate. Donc je vais cliquer sur le SG45, adresse Internet. Donc ici, c'est notre adresse, c'est 192.168.0.1. Donc ici, d'après notre cas, donc notre mat, il va utiliser cette adresse. Donc ici, c'est 192.168.0.1. Okay? Donc ici, nous avons parlé, il existe deux types de réseaux. Réseau local, c'est-à-dire qui se trouve au niveau de la société. C'est-à-dire à travers l'Internet, c'est-à-dire si je veux connecter un autre automate à travers par exemple à la maison de la maison, c'est-à-dire de l'extérieur de notre société. Okay? Mais bon, pour notre cas, on va parler au niveau réseau local. Ensuite, je vais vous expliquer ce que ça veut dire le routeur. Donc, je vais associer quelques notions. Je vais faire une vidéo pour associer quelques notions de routeur, d'adressage, l'adressage à travers les ports, tout ça. Donc, ensuite, je vais vous montrer comment on peut accéder à notre automate à distance, c'est-à-dire de l'extérieur de la société. Okay? Et pour notre cas, on va parler de réseau local. Okay? Donc, pour notre cas, donc, la société, l'adresse de l'automate, c'est 192.168.0.1 avec un masque. Donc avec un masque, c'est 255, 255, 255.0, c'est-à-dire les trois premières octets, ces trois premières octets sont l'adresse du réseau et le dernier c'est l'adresse de ma machine. Donc ici pour ces équipements qu'ils puissent communiquer entre eux, il faut avoir la même adresse réseau, c'est-à-dire les trois premières octets le même, et qui change c'est la dernière octet. C'est-à-dire par exemple pour notre cas. Par exemple, pour me mettre adresse pour cette machine, c'est-à-dire pour ce PC 192.168.0.1,
0.0 point par exemple 2, l'autre 192.168.0.3, ainsi de suite, jusqu'à combien ici? Nous avons jusqu'à 192.168.0.254, c'est la dernière adresse qu'on peut utiliser, c'est-à-dire nous avons 192.168.0.1 jusqu'à la dernière adresse de 254. Ok, donc on va supposer, donc on va faire, donc pour cela on doit on va supposer ça c'est notre PC. Donc ici je dois changer l'adresse IP, donc je dois cliquer sur le ouvrir centre. Donc je dois changer l'adresse, par exemple ici alt 0.2. Donc pour notre cas j'utilise le câble Ethernet, donc c'est pas le Wi-Fi, donc si je suis en train de câble connecté pour reconnecter notre automate. Propriété. Donc on doit aller IPv104, c'est ici. Donc je vais mettre adresse 192.168.0.1, c'est donc c'est 2. Désolé. Donc c'est 2 avec un masque 255.255.255.0. Oh, ok. Donc pour notre cas, si on veut faire accès à distance, c'est-à-dire à travers l'internet, donc ici on doit ajouter un routeur et on doit avoir une adresse IP publique. Et ici on va le déclarer ici. Donc, on va utiliser comme le va déclarer ici pour connecter à distance. Mais pour notre cas, on va expliquer au niveau réseau local. Ensuite, on va faire des exemples comment on peut accéder à distance en utilisant bien sûr un routeur. Ok, donc c'est bon. Donc ici on va supposer que nous avons pas TIA ici et je veux connecter à notre automate à travers un réseau local en ouvrant seulement une page web de notre automate. Bien sûr l'automate va jouer le rôle d'un serveur web, c'est-à-dire qui contient une page web à l'intérieur de notre app. Pour consulter cette page web, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va ouvrir une page web à travers ce PC et on va écrire l'adresse IP de notre automate pour accéder à cette page web car elle se trouve au niveau automate. Donc pour faire, on va supposer qu'on n'a pas TIA. Donc on va ouvrir une page web. Ici, je vais mettre pour accéder à la page web qui se trouve au niveau automate. Donc, je vais écrire l'adresse de l'automate, c'est qui est 192.168.0.1. Donc, voilà la page web qui se trouve au niveau automate. Donc, on va entrer. Donc, ici, comme vous remarquez, c'est une page qui n'est pas sécurisée car sous forme HTTP. Ok, donc, ici, on va écrire l'utilisateur, le mot de passe que nous avons créé au niveau TIA, admin. Et le mot de passe connecté, on va faire la connexion. Donc ici comme vous remarquez, j'ai tous les droits, donc car j'ai les activé tout. Ok, dans la page d'accueil, quand on trouve ici, on va trouver notre automate. Donc comme vous remarquez, il est en vert, c'est-à-dire il est en mode marche. Ici c'est le nom du projet, il a été fabriqué avec TIA version 16 qui était programmé pour la version. Notre CPU c'est 12 AC de déroulé, il est en mode run maintenant, il est en mode exécution. Et ici, qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il nous donne le droit de contrôler notre automate? C'est-à-dire on peut le mettre en marche, en arrêt, en clignotant. Je vais montrer, je vais ouvrir le... Donc voilà, c'est notre automate. Ok, il est en vert, comme vous remarquez, c'est-à-dire il est en mode RAM. Je peux le rendre en mode stop. Je peux arrêter, voilà, comme vous remarquez, il passe. Donc on peut arrêter notre automate à travers une page web à distance. Aussi, je peux le rendre en mode marche aussi. Donc ici, il est démarré, c'est bon. Ok, donc je peux le contrôler à distance. Je le peux mettre en mode clignotant, c'est-à-dire il va clignoter, voilà, comme vous remarquez, c'est-à-dire il est en train de clignoter. Donc ici, vous pouvez contrôler votre automate à distance. Ok. Donc on peut aller aussi au diagnostic.
Donc ici, il vous donne quoi ici? Il vous donne le référence, le numéro de série de votre automate, le référence, le primer qui était fait avec 4.4. Donc ici, donc j'ai fait dans une vidéo comment on peut changer le primer de notre automate. Okay? Donc il vous donne des informations sur votre partie matérielle de votre automate. Okay? Donc ici, il va donner donc mémoire. Donc il va donner l'occupation de mémoire de chargement, mémoire de travail, mémoire de rémanence. Donc l'occupation de votre mémoire. Tampon diagnostic. Donc ici, par exemple ici, je vais faire une erreur au niveau automate. Donc ici, j'ai déclenché une erreur. Donc il va être affiché après 10 secondes. Voilà. Donc comme vous remarquez que l'automate affiche une erreur. Ok. Donc voilà l'état de votre automate. Il est en mode erreur. Donc il existe un problème au niveau de votre automate. Donc pour connaître cette erreur, donc comment on peut faire? On peut faire le diagnostic à distance. C'est pas obligatoire d'ouvrir TIA et de connecter à notre automate. On peut ouvrir une page web et y aller où ici? Tampon de diagnostic pour voir l'erreur de notre automate. Donc comme vous voyez ici, c'est voilà l'erreur. Donc ici c'est la date, l'heure et la date, l'événement. Ici vous avez limite supérieure dépassée. Donc je vais cliquer sur cette erreur pour voir plus de détails. Donc ici nous avons limite supérieure dépassée au niveau entrée numéro 0 dans entrée analogique. C'est-à-dire ici notre entrée accepte maximum 10 volts et je lui donne ici 12 volts. Donc il a dit que vous avez un dépassement au niveau de la tension au niveau entrée analogique, donc qui se trouve dans le voisin 0. Ok, pour voir plus de détails, pour connaître l'emplacement de l'erreur, on doit aller état de module. Voilà, c'est notre, donc celui-ci il est en rouge pour indiquer que notre automate, cette automate qui est en mode, donc qu'il est en erreur. Donc je vais cliquer sur notre automate. Donc c'est voilà, c'est notre PLC1. Donc ici il va donner où il se trouve dans l'erreur. Si vous avez plusieurs modules, donc il va afficher l'état de chaque module. Ici, dans notre CPU, donc ici, je vais revenir ici. Donc ici, si vous avez plusieurs modules, donc il va afficher tous les modules et quel est le module qui a le problème. Pour notre cas, nous avons le problème qui se trouve dans notre CPU. Nous avons seulement CPU. Si nous avons d'autres modules, donc on va le trouver ici. Si on ne trouve pas, s'il est en vert seulement, donc c'est le module, il n'a pas de problème. S'il contient une rouge ici, comme ici, donc c'est-à-dire que ce module contient un problème. Donc pour notre cas, CPU procède à un problème. Donc je vais entrer au niveau de notre CPU. Où se trouve notre problème? Il se trouve dans l'entrée AI2. Donc avant que vous remarquez, il se trouve au niveau entrée analogique. Ok? Donc ici, si on veut plus de détails, donc on va cliquer ici. Donc ici, voilà, limite supérieure dépassée au niveau de notre, donc au niveau de l'entrée analogique qui est le voie 0, c'est-à-dire la première entrée analogique où il y a dépassement de tension. C'est-à-dire à travers cet état de module, on peut connaître l'emplacement de notre erreur, où est l'erreur, il est en train de où on peut trouver l'erreur. Donc à travers le tampon diagnostic pour connaître c'est quoi l'erreur, et l'état de module pour connaître l'emplacement de l'erreur, où se trouve l'erreur. Ok? Donc ici je vais enlever la tension, je vais diminuer la tension. Donc si l'erreur va s'enlever, bien sûr il va devenir vert, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème. Donc si on va revenir à notre automate, donc ici c'est on n'a pas d'erreur, ok, car c'est on a corrigé le problème. Ok, au niveau communication, on va voir c'est l'adresse MAC, c'est l'adresse physique de notre automate. Ici c'est l'adresse IP de notre automate, c'est l'adresse masque bien sûr parce que le routeur, on n'a pas utilisé un routeur ici. Ici nous avons un seul port, donc ok, c'est-à-dire le port il fonctionne très bien au niveau EJ45. On est en train d'utiliser câble de cuivre de EJ45 avec un débit 100 mégabits par seconde. Ok, bien sûr si nous avons un problème au niveau du port EJ45, il va afficher qu'il existe une erreur. Ok. État de variable, donc ici je peux visualiser, ou bien changer les variables des états. Par exemple, je veux voir la valeur du niveau de consigne, de valeur de commande ici. Comment on peut faire ça? Donc ici on doit connaître les adresses. Ok, par exemple.
Par exemple, si je veux voir la valeur de la consigne, donc je vais écrire MD, c'est quoi l'adresse? MD4, MD0. Donc ici, donc je vais écrire MD0. Entrée, le type c'est pas hexadécimal, c'est un réel, donc lorsqu'on dit réel, c'est un virgule flottante. Donc ici la consigne pour le moment c'est valeur 0. Commande. Donc on va écrire l'adresse. On doit pas se tromper d'adresse. MD4. Le commande de notre travail. MD4. Bien sûr, c'est un type réel, donc ici virgule flottante. Donc notre van il est ouvert à 0%. Si par exemple ici, c'est-à-dire ici on parle des variables qui sont directement au niveau mémoire. Si nous avons des variables qui se trouvent au niveau DB global, comme par exemple niveau, ok. On doit vérifier que le DB, ce DB doit être non optimisé. Car comme vous remarquez, au niveau S7200, ce problème on n'a pas au niveau S300 et S400. Au niveau 1200 ou 1500, nous avons une option qui s'appelle DB optimisé. Donc ici, si DB est optimisé, c'est-à-dire il va pas avoir une adresse. Et puis bien sûr, pour le commander ou bien le superviseur à distance, ces variables doivent avoir une adresse. Pour cela, donc ici, comme vous remarquez, il n'a pas d'adresse. Donc ici, c'est une DB optimisée. Donc on doit enlever cette option pour qu'on puisse le commander à distance. Donc pour cela, on doit aller au DB global, cliquer à droite, propriété de notre DB. On doit aller attribut, voilà, attribut, et ici on va enlever cette option. OK. Donc, lorsqu'on veut faire une communication à travers réseau ou bien web serveur, on doit voir que le DB ne va pas être non optimisé. Donc, ici je vais faire la compilation. Comme vous remarquez, maintenant cette DB, elle a une adresse. Son adresse est db2.db0. Donc, maintenant je peux le superviser à distance. Donc ici, je dois revenir à notre adresse. Ici, on va écrire l'adresse. C'est db2.dbd0. Entrée. Bien sûr, le type c'est db2.db. Ah, j'ai pas. Donc ici, il n'a pas connu car j'ai pas encore chargé le programme vers l'automate. Donc, je dois charger. Pour que l'automate connaisse les modifications. Pour l'automate, maintenant il est encore DB optimisé. Donc je dois le charger pour lui informer que j'ai enlevé l'optimisation. Donc comme vous remarquez, donc s'il est optimisé, le page web ne peut pas lire ces données. Terminé. Donc ici je vais revenir. Donc je vais dans DB2. .dbd0. Donc pour vous remarquer, maintenant il peut lire car ce DB n'est pas optimisé. Type bien sûr réel, c'est-à-dire virgule flottante. Donc pour vous remarquer, le niveau actuel c'est 852. Je vais changer le valeur du niveau. Donc la page sera actualisée chaque 10 secondes. Voilà, maintenant 900, c'est-à-dire à chaque fois que je change le niveau. Donc la page web, elle peut suivre l'évolution du niveau, mais bon, après 10 secondes d'actualisation de notre page. Maintenant, c'est-à-dire le niveau actuellement, c'est 612. Donc je peux diminuer encore. Donc comme vous remarquez, on peut lire la valeur de notre niveau. On peut seulement pas lire, on peut encore écrire par exemple notre consigne. Je veux changer la valeur de consigne, par exemple MD0. Par exemple, je veux remplir notre réservoir à 500 cm. Ok, je vais diminuer un peu. Donc, à 500, donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais écrire à 500 et je vais cliquer à droite. Donc, ici 500, on va voir est-ce que ici la valeur de est-ce que l'automate a reçu l'information ou non. Donc, je vais mettre en ligne avec l'automate. On peut faire la même opération de n'importe quel PC qui se trouve dans le réseau avec l'automate. Okay, c'est pas obligatoirement avec le même PC. Donc voilà, l'automate reçoit la valeur 500 malgré que je l'ai envoyé à travers une page web. Même si je trouve un autre PC avec donc qui ne contient pas le TIA.
Et à travers une page seulement page web, on peut changer les valeurs. C'est-à-dire, je peux changer encore, par exemple, si je peux faire enseigne 600. Donc, je vais écrire ici 600. Entrée. Donc, maintenant, il est 600. La panne est ouverte à 100% car la valeur actuelle du niveau est 408 cm. Donc, ici, je peux voir le programme. Est-ce qu'il a changé? Ben, voilà, il est en train de changer. Okay? C'est-à-dire, je peux changer les valeurs seulement à travers une page page web. Je peux lire et écrire des valeurs à travers une page page web. Donc la vanne elle est ouverte à 100%, ok, car le niveau actuel est 408 cm et je veux remplir 600. Donc ici je vais augmenter le niveau. Bien sûr, si le niveau arrive à 600, donc la vanne elle va se fermer. Il faut faire l'actualisation, donc ici l'actualisation après 10 secondes. Vous pouvez diminuer la 10 secondes vous pouvez l'augmenter. Donc je peux l'actualiser manuellement. Ok. Sinon, on peut faire une table de visualisation. C'est-à-dire ici, je peux créer une table pour faire pour faire toujours la visualisation des variables. Ok. Donc ici, comme vous remarquez, c'est pas pratique de connaître toutes les adresses. Okay, car c'est une page web standard pour toutes les applications. Ici, on doit connaître les adresses des variables pour qu'on puisse le voir et le visualiser. Donc, c'est pour cette raison, c'est mieux ici de développer une page web personnalisée, okay, où on peut voir le valeur du niveau, le réservoir de comment, tout ça, sans avoir écrit les adresses, c'est-à-dire de manière automatiquement. Okay. C'est pour cette raison, de la prochaine vidéo, on va développer une page web personnalisée. Okay, qui contient la valeur du niveau, la consigne, le commande de notre vente, tout ça, sans créer des adresses, donc ils seront automatiquement affichés. On peut entrer des valeurs, tout ça, c'est-à-dire on va développer une page web, et on va l'enregistrer à votre automate, et on va l'accéder à travers notre automate, et voir faire la supervision à travers une page web. Ok, donc la prochaine vidéo, on va le faire, on va développer une page web personnalisée. Merci pour votre attention.